à tous, bienvenue donc sur Ospac TV pour un tout nouveau reportage. Bien entendu, dans l'antre Simca, ce week-end du 2 au 5 juin, puisque nous sommes à la Ferté-Saint-Aubin, donc le fameux château de la Ferté-Saint-Aubin. On va demander à la Maison Verte de baisser un petit peu le son, compte tenu qu'il est en train de nous pourrir le reportage en direct. Merci à la Maison Jean-François Verte. Donc on va faire un petit détour rapide entre la Simca 5 jusqu'à la Talbot Samba, mais entendu toute la production Simca et Talbot, en passant par les Chambord, les Ariane, mais également les Arondes, aussi les Chrysler 1307, et bien entendu les Talbot à partir de 1979, c'est pas à vous amateurs de Simca et Talbot, je vais vous l'apprendre. Donc derrière moi, le village Simca, vous l'avez bien vu. On va découvrir tout ça sur un format comme vous êtes habitué sur ce canal, en format court mais toujours très complet. Je suis Jacques Latour et vous regardez Ospac TV. We'll be right back.
à ce modèle avec les grands larmes. Voilà, une livrée de poche. Vous avez donc la bande de taxi sur le toit et le taxi sur le côté. Ça ne sait peu qu'en 1990. Les dernières horizons ont été produits avec l'ordinateur de bord, la boîte automatique, le cruise control. Voilà. Mais l'autre, je suis fait cool. Ah, oui. Voilà, alors la gamme nous sommes sur les dérivés.
par Matt.